أنا لست صوفيا أطوف بقبة، أنا لست ممن يدخل القبر مسجدي، ولست يهوديا ولست برافضي، والرافضي في الأصل كالمتهودي. أنا لست تكفيري ولست بخارجي، يرى مؤمنا بالله مرتد ملحدي. Donc, chers frères, lorsque vous ne connaissez pas une personne, lorsque vous ne connaissez pas un prédicateur, un étudiant en sciences, un imam ou un cheikh, hein, quelle doit être, n'est-ce pas, votre attitude face à cela? Quel est le comportement du salafi dans ce cas? Va-t-il directement se mettre à l'écouter en se basant sur le simple fait qu'il est quoi un ressortissant de l'université islamique de Médine ou de n'importe quelle université des pays arabes? Ou va-t-il se baser sur le fait que le musulman doit avoir une bonne opinion ou une bonne pensée de son frère? Ou encore va-t-il dire qu'à la base, le musulman est intègre, crédible, donc je l'écoute, hein, je l'écoute et je suis secours jusqu'à ce que je tombe sur une erreur ou jusqu'à ce que j'aie une preuve qu'il n'est pas, quoi, qu'il n'est pas crédible. Comme ils disent, al-aslu fil muslim al-adalatu hatta yatabayyana jarhuhu. Ils disent quoi? Excusez-moi, ils disent quoi? Ils disent que la base, c'est que le musulman est crédible. Et sa crédibilité demeure jusqu'à ce qu'apparaisse le contraire. Donc, on l'écoute jusqu'à ce qu'on sache qu'il n'est pas crédible. Toyib. Nous disons que le salafi qui connaît sa religion et l'importance de son dîn ne se met pas à écouter et suivre les cours de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Avant d'être quoi? Avant d'être rassuré qu'il est salafi et digne de confiance. Lorsqu'il voit un prédicateur, lorsqu'il entend parler d'un prédicateur, lorsqu'il entend que tel prédicateur de tel pays est arrivé dans son pays, alors qu'il ne le connaît pas, quelle est sa réaction première? Alors, c'est bien de chercher d'abord à savoir si on peut écouter cette personne, hein, et si on peut le recommander aux gens. Si la personne est crédible, si la personne, n'est-ce pas, est crédible, si elle est salafi ou pas. Mais il ne se met pas directement à écouter la personne. Parce qu'elle vient de tel pays, parce qu'elle a appris dans tel pays, hein, ou encore parce qu'elle a quoi, une chaîne Telegram ou YouTube, ou parce qu'elle est populaire, n'est-ce pas, sur le net, ou pour d'autres raisons qui ne tiennent pas, voyez-vous. Car certes, il est recommandé d'avoir une bonne opinion du musulman, hein, de ne pas avoir une mauvaise opinion du musulman, voyez-vous. Nous ne remettons pas cela en cause. Hein? Mais nous disons plutôt al-aslu fil muslimi al-islam. Nous disons que la base, c'est que le musulman demeure musulman. Il ne sort pas de l'islam que par une preuve claire. Man thabata islamuhu bi yaqinin lam yazul anhu illa bi yaqin. Voyez-vous? Celui dont nous avons la certitude de son islam, il ne sort de l'islam que par une autre certitude. Voyez-vous? Celui donc, hein, une personne est musulman ou bien une personne, hein, dont on est sûr qu'il est musulman, il ne sort de l'islam que par quoi? Que aussi par une autre certitude. Donc ici là, il ne sort de l'islam que par quoi? Une autre preuve évidente. Voyez-vous? Et non par quoi?
à nos passions. Voyez-vous? Donc, ce prédicateur que nous ne connaissons pas là, nous gardons une bonne opinion de lui. Il est musulman. Voyez-vous, comme j'ai dit, on ne remet pas son islam en cause. Ou on ne dit pas qu'il n'est pas musulman. Non, il est musulman. Mais est-ce qu'il est crédible? Est-ce qu'il est salafi? Est-ce que ou est-ce qu'on peut prendre notre dîme de lui? C'est là le véritable problème. Hein? Aujourd'hui, tout le monde se réclame de la sunna. Tout le monde se dit quoi? Sunni. Et pourtant, nous savons tous qu'il y a plusieurs sectes, hein, qui existent, n'est-ce pas? Et la preuve, c'est quoi? C'est le hadith authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hein, le hadith de Iftiraq, qui est très célèbre, dans lequel le prophète, alayhi salatu wa salam, il nous informe quoi? Que sa communauté s'est divisée en 73 groupes. Nous avons donc quoi? Plusieurs sectes dans l'islam. Et le prophète nous informe que toutes ces sectes-là rentreront au feu, excepté une seule. Ou tous ces groupes-là vont rentrer au feu, excepté un seul groupe. Celui qui a suivi quoi? Ce sur quoi lui et ses compagnons étaient. أرجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس لا تجري على اليبس لا تجري على اليبس أنا لست صوفيا أطوف بقبة